une quinzaine de bénévoles qui travaillent quotidiennement aussi au sein de la structure, ce qui fait d'ailleurs la particularité de Flandre Télévision. Une de ses particularités, c'est effectivement ce modèle associatif. On n'est pas une chaîne télé classique, on n'est pas une chaîne télé privée ou publique, on est une chaîne télé associative qui fonctionne à la fois avec une partie, on va revenir dessus par la suite, subvention, avec des appels à projets notamment auxquels on répond, et aussi une partie production de contenu vidéo. Voilà. Donc un modèle un peu hybride où on vient mixer des salariés avec des bénévoles, voilà, ce qui permet d'avoir une disponibilité dans l'activité vachement intéressante. De Welcome TV. Une télévision locale, c'est aussi une télévision qui fait partie d'un réseau régional. Puisque Médiane, qui a été créé il y a maintenant un an, si je dis pas que c'est ça, hein, rassemble l'ensemble, enfin une bonne partie des médias associatifs des Hauts-de-France. Eh bien, on pense qu'à côté des télévisions de proximité, il y aura des télévisions d'hyper-proximité. Les télévisions d'hyper-proximité sont celles qui resteront indépendantes. Et cette année, j'interviens à l'école Jules Ferry, donc qui est à quelques centaines de mètres d'ici, pour expliquer justement à ces enfants qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas parler forcément de sa vie privée, il ne faut pas interagir avec des gens qu'ils ne connaissent pas, voilà, sur une période de 45 minutes de manière hebdomadaire. Moi, j'ai connu Flandre Télévision par Facebook. C'est superbe, ça nous apprend à découvrir la région. Et donc là, ça me permet de partager un peu les Flandres à d'autres personnes, d'autres régions, et qui me disent, on va peut-être y venir. Tous les reportages qui sont faits, je les trouve magnifiques. Hein. Les sorties des artisans qu'on découvre, la transhumance à Bertène. Alors là, quand j'ai envoyé ça, quand j'ai partagé ça avec les gens du Sud, ils ont bien rigolé, quoi. Merci Flandre Télévision, parce que grâce à vous, eh bien, j'ai redécouvert de superbes spots qu'on a parcourus en famille, et puis j'ai aussi pu m'organiser de très belles balades dans notre très belle Flandre avec mes potes. Merci à vous encore. Alors moi, je regarde Flandre Télévision, notamment pour l'agenda, pour voir tout ce qui se passe dans le coin, et parce que c'est toujours intéressant et on n'est pas forcément au courant de tout. Flandre Télé nous apporte ça, justement, et c'est toujours agréable de revoir et redécouvrir des coins des Flandres qu'on avait peut-être oubliés, ou des petites histoires, des petites anecdotes sur certains lieux. Donc voilà. J'aime regarder Flandre Télévision. Tout d'abord quand ils font des reportages sur la commune de Steinberg, parce que c'est une commune qui m'est chère, mais aussi lorsqu'ils font des contenus de qualité et interactifs sur des activités de Flandre. J'aime découvrir ce qui se passe chez moi et j'aime y aller. Donc je remercie Flandre Télévision de faire le relais de ces événements. Bonjour, alors voilà pourquoi je regarde Flandre TV, tout simplement parce que c'est l'actu du coin, et non pas que je me fous de ce qui se passe dans le monde, mais je m'intéresse principalement à ce qui se passe autour de chez moi. Donc je trouve vos reportages très intéressants, on découvre encore plein de choses, malgré qu'on pense tout connaître. Donc bonne continuation, continuez comme ça, et à bientôt.
Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je suis Flandre Télévision depuis le début et encore aujourd'hui je continue à vous suivre parce que je n'habite plus dans la région, j'habite en Belgique, à Liège, et donc de pouvoir suivre vos émissions, ça me permet d'être un petit peu au courant de ce qui se passe dans les Flandres, bien que je n'y sois pas tous les jours. Et puis qui dit vivre à Liège dit ville, donc dit immeuble, et de pouvoir regarder vos émissions, ça me ressource parce que je peux de nouveau admirer les beaux paysages qui sont dans les Flandres et qui me manquent énormément.